Pour ce stream un peu spécial, un peu particulier, puisque c'est le stream de la millième. La millième quoi ? Bah, c'est sûrement pas la millième vidéo, sinon j'aurais pas dormi pendant des semaines. La millième vue, donc tout d'abord merci à vous, parce que les vues c'est les vôtres, ça veut dire que ces streams ont un petit truc, un je ne sais quoi. Et donc pour célébrer ça ensemble, on va retourner aux origines du shmup. Parce que vous l'avez déjà pas mal réclamé en fait. Et il se trouve que je n'ai toujours pas streamé le fameux Space Invaders. Alors, avant de foncer dans le tas de pixels, je vais quand même vous raconter ma première expérience, et 83615 ma life sur The Big Gamowski. Ma première expérience avec les bandes d'arcade qui, contrairement à la légende qui veut que j'ai été élevé par des loups sauvages, et puis lâché dans une salle d'arcade avec seulement sur moi quelques pièces de 1 franc, n'était pas Space Invaders. Non, ma première bande d'arcade, mon dépucelage de jeux vidéo, c'était sur un jeu qui s'appelait Circus. Circus, qu'est-ce que c'était ? Bah en fait, c'était une espèce de truc hybride. C'était un peu shoot parce qu'il fallait viser, mais en fait, c'était surtout inspiré casse-briques. Parce que si vous regardez comment le jeu était foutu, c'était rien d'autre que un bonhomme qu'il fallait essayer de guider. Alors ça, c'était le gros challenge. Pour aller péter les ballons qui sont en haut de l'écran. Et c'était assez ludique pour l'époque, pour qu'un môme ose aller taper 100 balles à sa mère pour mettre dans cette saleté de machine électronique. Et pourtant, le gameplay, bah, regardez... Heavy. Et schniputz. Et schniputz. Une schniputz. Donc vous bougiez le petit truc en bas. Et puis il fallait, avec le rebond et la force, eh ben, espérer péter des ballons, y compris des tout en haut. Et je vous rassure, la borne n'était pas en couleur. Alors la petite astuce à l'époque qu'on avait trouvée pour donner une impression de couleur sur un jeu vidéo qui était montré sur un écran en noir et blanc. C'était tout simplement des bandes adhésives translucides que souvent vous retrouviez en haut de l'écran. Et du coup, comme ça, on avait un jeu en couleur. Alors, ça existait pour Circus, ça existait aussi pour un jeu d'avion qui m'a bouffé beaucoup de pièces à l'époque, dont j'ai complètement bouffé le nom aussi. Donc voilà les origines de mes aventures en arcade. Et c'est quand même un peu plus tard que je suis tombé sur le sujet central de la journée. Central de la journée, oui. Sur le journée centrale de notre stream. Oh là là. Bon, je vais aller me coucher, on recommence après. Non, c'est le millième, faut pas déconner quand même. Donc, ça n'est que bien plus tard que je suis tombé sur notre bon vieux Space Invader. Faut dire que j'habitais un petit peu à la Combrousse aussi, donc ça aidait pas trop à avoir des bornes récentes sous la pogne. Petit plantage même, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Mais on va quand même se faire ce damné Space Invader, je vous rassure. Hop là. Suspense insoutenable. Tadam. Ah oui, eh oui, eh oui. Et en mode démo, il n'y avait même pas le son. Parce que quand même, le son du Space Invader, le soir, rentré à la maison, sous la couette, les yeux clos, vous entendiez encore ces quelques notes typiques de toute une époque. Des sous. Hop, le pad, ça pourra servir. Je peux pas parler, ça me demande beaucoup trop de concentration, ce donne-ma-coup, vous le savez bien. J'en vois 2-3 qui rigolent déjà. Que dire sur Space Invader qui n'a pas déjà été dit? Déjà, il faut essayer de jouer correctement. Bon, en fait, le truc a posé les bases hein, du shmup. C'est-à-dire, un vaisseau qu'on peut bouger, un tir pour exterminer, what else, je serais tenté de dire. Oh, la super soucoupe, faut que ça passe au travers.
Alors les gars avaient été sympas, hein, parce que les premiers essais avant, pour avoir avant la popularité du shmup grâce à Space Invaders, ça avait été des shoots qui étaient dans le même genre. Hein. Vous aviez les mêmes défilements de petits aliens hostiles en haut de l'écran. À la nuance près que vous n'aviez pas de... Super dur de parler en même temps sur le stream de ce Danmaku. À la différence que vous n'aviez pas les espèces de blocos en bas d'écran pour vous protéger. J'oublie tout le temps que ma soucoupe est en butée d'écran là à gauche, elle peut pas aller plus à gauche. Ce qui n'est totalement pas fair play d'ailleurs. Ah le stress. Et eux, ils peuvent y aller totalement à l'extérieur, ces salopards. Donne-moi mon super bonus! Oh, je l'ai raté avec beauté. Et oui, parfois on rate avec beauté. Ce sont des choses qui arrivent. Mais saleté de calamar de l'espace. Veux-tu bien prendre garde à mon Kouroux? Bon, là, faut que je le dégomme, oui, parce que je vais avoir un gros, gros problème, je pense. Ah, et le dernier qui va speeder. Donc, ça, c'était le truc légendaire. Où souvent, on tapait une crise de nerfs parce qu'on n'arrivait pas à flinguer le dernier. Car oui, votre tir ne peut pas être re-enclenché tant qu'il n'a pas touché un ennemi ou qu'il est sorti de l'écran. Donc, sur ça, il y avait un petit timing quand même, voilà. Bim! Non! Bim! Non! Ah, par contre, je l'ai bien pris. Oh, quelle tragédie. Mourir sur le dernier truc. C'est donc l'astuce qui faisait que dans Space Invader, eh bien oui, tous les mômes passaient énormément de monnaie. Parce que si l'intégralité du jeu en lui-même se déroulait très très bien et relativement aisément, eh bien à chaque fois on avait le calvaire des dernières bestioles à flinguer qui était particulièrement... Tu as ce bonbon. Alors, il y avait une technique, c'était flinguer par colonne, comme ça. Donc vous devez l'entendre dans ma voix. Il n'y a pas trop de passion à revenir à Space Invader. Par contre, bah oui, nostalgie, quoi. Comment ça, tu es vieux? Non, 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 non. Pas tant que ça, regarde. J'arrive même à dire des conneries de jeune des fois. Ish. On peut cancel les boulettes. Non, mais cette technologie! Heureusement que les extraterrestres réels ne la connaissent pas, parce que sinon on aurait des gros problèmes, quoi. On se serait réellement fait envahir. Ichin. T'es embuté, oublie pas, t'es embuté. C'est super traître ce petit détail. Mais meurs, meurs, calamar de l'espace. Alors sur les Space Invaders, il y a des tas de petites anecdotes. Je vous invite à aller sur Wikipédia. Et oui, on se cultive. Fuck. On se cultive un peu. Et vous allez voir qu'en fait, il y avait des tas d'anecdotes tant sur ben, la façon de faire le jeu que le design des petites bestioles. C'est assez rigolo. Est-ce que je vais avoir le même fail que tout à l'heure et crever sur le dernier? Ce serait sympa que ça ne le fasse pas quand même. Parce que là, je vais avoir un côté ridicule qui frise le fait exprès, quoi. Ah, ah oui, j'ai été perturbé par cette chose qui passait sur l'autocollant rouge en haut de l'écran. Donc là, on voit que la technique, quand même, pour avoir un moniteur couleur, c'est. Merde. Ich! Sans froid, sans froid. Je crois qu'on va se quitter sur ça. J'aurais voulu la faire exprès. J'aurais pas mieux réussi. Donc, je vous disais, la technique ouais, des autocollants sur les translucides, sur les écrans noir et blanc, faut bien y songer. Hein. À l'époque, on n'est pas passé directement du jeu d'arcade noir et blanc au jeu sur un beau moniteur couleur. On est d'abord passé par les jeux sur écran noir et blanc avec diverses astuces. Donc, il y en avait une, c'était les trucs translucides, mais je suis sûr qu'il y en a des tas d'autres qui ont été mises au point. Enfin voilà. Donc j'espère que j'ai fait des heureux en vous proposant ce stream et que ben je suis très heureux que vous ayez passé le millier de vues sur la chaîne. Merci, merci, merci. On se retrouve pour streamer du shmup, du gros, du qui pique. On se retrouve également pour streamer des jeux récents. C'est pas que ça, hein, The Big Game Oski, c'est pas que les boulettes.
histoire de partager, de découvrir, d'explorer, de ressortir des vieux titres, d'essayer de mettre le pif dans des nouveautés qui semblent être super intéressantes, ou bien tout simplement de participer à des bêtas. Donc de temps en temps, il y a des gens en ce moment qui commencent à proposer d'être inscrits sur les alphas, et je les en remercie aussi. N'hésitez pas à proposer vos jeux. Je suis pas super gamer, mais je pense que je suis la bonne victime moyenne qui fréquentera vos titres une fois qu'ils seront disponibles. Walou, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de contaminer vos voisins, votre famille, vos amis et les animaux nuisibles que vous trouvez dans vos environs. On se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. I love you! Woo!